Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons être dans un bœuf général qui va parler de diaspora camerounaise, comme elle pourrait parler d'une autre diaspora ivoirienne, car la problématique se ressemble. Pour en parler, c'est quelqu'un qui vient de mettre sur pied une association, Diaspora Constructive du Cameroun, donc DIACOCAM. On va essayer de comprendre avec notre invité du jour s'il y a une autre diaspora pas constructive du Cameroun. Il s'appelle André Inda, qui va donc intervenir sur ce plateau en direct de Liège, je crois. Bonjour André, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. J'interviens non pas de Liège, mais de Charleroi précisément. Ça a changé là, hein, parce Oui. que quelque part on voit Liège dans. Absolument, oui, mais c'est la Belgique est toute petite, hein, donc en 2 heures, vous avez parcouru tout le pays, hein. Bon, j'irai vous rencontrer pour qu'on parcourt ensemble. Avec plaisir. Bon, pour vous apporter un peu d'eau au moulin aujourd'hui, le grand témoin de notre émission est Raoul Puchot-Poitiers, qui est universitaire comme vous, André Inda. Pourquoi Raoul Puchot est invité aujourd'hui? C'est parce qu'il a écrit un livre il y a un an ou deux, par là, intitulé Le Cameroun contre sa diaspora. Voilà pourquoi, il y a 24 heures seulement, j'ai pensé à l'inviter pour être au grand témoin de cette émission. Bonjour Raoul Cuchot, comment allez-vous? Bonjour Jackie, bonjour André. Eh bien, ça va comme en temps de Covid. On rame, mais bon, tant qu'on est vivant, ça va. Bon, vous revenez fraîchement du Cameroun, Raoul Cuchot, hein? Oui. Et donc, Oui, je suis allé à un festival. Nous avons une biennale à Ezeka tous les 2 ans, festival international. Je m'y suis rendu. Je crois il y a 3 semaines, donc on a mis une semaine de festival plein à Ezeka, c'était formidable, malgré les restrictions qui ont empêché à nos très nombreux invités d'Europe et des États-Unis et du Canada de venir. Donc la dimension internationale était un peu plus limitée, mais tout le monde était content, les populations nous accueillent avec ferveur, c'est génial, ils mangent super bien. Vous voyez, mes jours ont repris de leur flamboyance, et tout ça. le bongo tchobi qui vous a gonflé comme ça ou quoi? Toutes sortes de trucs fabuleux, le Cameroun. C'est génial, le Cameroun. Évidemment, ça pourrait être mieux, bien sûr. Avez là quelqu'un à recruter. Raoul Cuchot est certain, fait partie de la bonne diaspora, certainement. Écoutez, d'abord, c'est un immense plaisir, hein, de faire sa connaissance. Je ne le connaissais pas du tout. Je n'ai pas encore pris le temps de prendre connaissance du contenu de son livre, mais le fait déjà d'avoir écrit un livre sur la question démontre déjà que c'est quelqu'un, évidemment, avec qui on doit cheminer, naturellement. Et c'est dans cette démarche que nous sommes. Nous sommes dans une démarche constructive. Nous ne sommes pas dans une démarche de type moral, en disant il y a une diaspora bonne et une diaspora qui est mauvaise. Ce n'est pas la question. La question, et c'est ça qu'il faut bien comprendre d'entrée de jeu, c'est la construction au sens où le Cameroun est un pays, c'est une nation, c'est un État qu'il faut bâtir. Vous comprenez? Et donc, pour le bâtir, aujourd'hui, la diaspora, la force de frappe que représente la diaspora, c'est-à-dire à peu près quoi? 7 à 8 millions de Camerounais à l'extérieur. Ah ben, cette force de frappe, à notre avis, c'est la vraie force constructive du Cameroun. C'est dans cette démarche qu'on se situe, en fait. Très bien, on va y revenir car il y a tout un questionnaire, hein, ne vous inquiétez pas, il y a 3 pages là, donc Pas de problème. vous avez la parole. Bon, Raoul Cuchot, je suis content pour vous que vous soyez revenu sans être arrêté. C'est la preuve que vous faites partie de la bonne diaspora car il y en a qui ne reviennent pas. Qu'on arrête, qu'on enferme 3 jours, on rapatrie au Canada. D'autres qui se trouvent en prison parce qu'ils ont le livre d'un opposant. Donc vous êtes revenu alors que je connais votre passif assez bon. Alors, nous allons essayer de connaître l'invité principal, André Harry Yinda, deux fois, c'est Oui, ça? c'est ça. André Yinda, fils de Yinda. D'accord, fils de Yinda. OK. Vous êtes donc originaire du Cameroun, philosophe, chercheur et manager des organisations de formation et de recherche. Si je me trompe à tout moment, vous m'arrêtez, hein, D'accord. pour permettre au grand public de mieux vous cerner. Après avoir étudié et enseigné la philosophie et la théorie politique à l'université de Yaoundé 1, au Cameroun,
Vous avez poursuivi vos travaux de recherche autour des usages politiques internationaux et africains, internationaux, africains, tout ça se mélange, de la pensée machiavélienne. Oui. Et plus précisément, au centre de recherche politique Raymond Aron de l'école des hautes en sciences sociales. Des hautes études en sciences sociales. Des hautes études en sciences sociales à Paris. Oui. Vous avez orienté vos travaux universitaires. Si je me plante quelque part, sachez que cette émission a été préparée avec le concours de votre ami, Pierre Moukoko. Si j'ai dit, je dis ici le responsable Pierre Moukoko. Car le journaliste, c'est tellement... Voilà. Okay. Donc, c'est mon collaborateur et c'est lui qui a travaillé sur le questionnaire. Donc, vous avez orienté vos travaux universitaires sur une critique politique des relations internationales. C'est ce qui vous a amené à conduire avec brio un projet de recherche consacré à Léopold II comme figure de déclinaison des rapports entre histoire et mémoire coloniale dans la politique internationale. Est-ce que Pierre a bien dit? Oui, tout à fait. Oh, merci Pierre Moukoko, tu as bien travaillé là. Vous dirigez Afropolis Consultante. De ces dates? Non, oui, ça c'est le passé, ça, oui. Ça c'est le passé, vous aviez oui. Dit, bon. La diaspora camerounaise est de plus en plus compétente et ce, dans des domaines de plus en plus diversifiés. Ces filles et fils du Cameroun sont prêts à participer à la construction de leur pays, quelque chose qui vous est cher, mais n'y arrivent pas toujours pour des raisons indépendantes de leur volonté. Il est sans doute temps que cela s'arrête, selon mon collaborateur Pierre Moukoko et selon vous aussi, je crois. Une approche plus constructive s'impose désormais. Vous en êtes convaincu, André Marie Yinda Yinda, et vous vous inscrivez dans cette démarche-là. Le forum de la diaspora, FODIES, qui a eu lieu en 2017, n'a pas atteint son objectif, loin de là. Les raisons sont aujourd'hui connues. Absence de concertation entre les parties prenantes et matinée d'un désordre manifeste, un manque de volonté claire du gouvernement camerounais serait, selon certains, les raisons de cet échec-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de mon collaborateur André Idaïda? Écoutez, je vais vous dire des choses. D'abord, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut avoir une vision globale de ce qui s'est passé avec la diaspora. Il faut avoir vraiment une vision globale du bilan. Et dans cette vision globale, vous avez des événements comme le FODIAS qui a lieu en 2017. Vous avez aussi d'autres initiatives, hein, comme par exemple Dias Invest, qui est en cours, qui peine. Et puis vous avez d'autres initiatives, hein, comme le DAVOC en Allemagne. Voilà, toutes ces initiatives, si vous le regardez, qu'elles soient initiées par le gouvernement ou par des particuliers de la diaspora ou bien du pays, toutes ces initiatives ont connu un cran d'arrêt. Toutes. Et ça, c'est un fait. Et ce fait, on ne peut pas l'imputer à une seule partie. Je crois qu'il y a, et c'est la deuxième chose que je voulais dire, et c'est fondamental, c'est qu'il y a à la base de tout cela, en fait, une difficulté fondamentale. Qui est laquelle? Qui est l'absence d'une vraie stratégie de développement de la diaspora. On dit, et nous et c'est le but de Diakokam, il manque une vraie politique d'engagement de la diaspora au Cameroun. Et cette politique, il faut l'élaborer, il faut la développer, il faut la mettre en œuvre, et il faut la valoriser. Tant qu'on n'a pas un cadre politique pour gouverner la diaspora, on sera toujours confronté à ce type de problème. Mais vous rejoignez là Raoul Cuchot, qui avec son livre « Le Cameroun contre cette diaspora », Raoul. Vous rejoignez. Mais ce n'est pas ce que je dis, moi. Non, Raoul va peut-être réagir là-dessus, parce qu'il manque une réelle politique de gouvernance de la diaspora, Raoul. Et vous avez écrit « Le Cameroun contre cette diaspora ». Est-ce que ce n'est pas ce que vous aviez voulu dire, Raoul, dans votre... Mais écoutez, jusque-là, André dit ce que j'aurais dit. Donc, du coup, Jackie, je suis doublement frustré. D'abord parce que, jusqu'à maintenant, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'André dit, parce que c'est mon diagnostic. Qu'il manque une volonté politique de structurer le rapport entre le pays et ses expatriés, c'est-à-dire et la diaspora. Mais l'autre frustration, quand même, peut-être c'est la plus importante, c'est que
ça fait plusieurs années que des amis qui m'aiment bien me disent, mais c'est quand que tu vas chez Jackie? Tant que tu ne vas pas chez Jackie, on ne t'a jamais vu nulle part. Et j'aurais adoré venir sur le fameux canapé où sont passés Vicky et Dimo, le professeur Kamto, Patrice Nganan, Christian Penda et Coca, et ce fameux canapé. Bon, voilà, le Covid fait que je n'y suis pas. Quoi. Alors, je suis pas grave. À la fin de ce Covid, vous viendrez vous asseoir ici. André Inda, vous viendrez également car des sujets sur le Cameroun ne manquent pas. Au contraire, je pense qu'en Afrique, c'est mal. Le Cameroun est le pays qui regorge le plus de sujets à traiter. Tout à fait. Mais je voulais faire une précision hein, tout de suite, hein, parce que je ne pense pas qu'on soit tout à fait sur la même longueur en termes d'analyse. Quand je dis qu'il n'y a pas une politique d'engagement de la diaspora, je ne suis pas en train de dire, contrairement à ce qu'a souligné Raoul, qu'il manque de volonté politique. Non, pour moi, la volonté politique, elle est là. Elle est matérialisée par le fait que, vous savez, quand on lance une initiative comme le FODIAS, c'est une volonté politique. Hein. C'est pas quelque chose de spontané. C'est qu'on a décidé à un moment donné qu'il faut faire ça. Quand le président Biya lance l'appel vers la diaspora dans son discours du 10 février. On va en parler. C'est Non. Donc la volonté politique. Attendez, je vais finir. Je vais finir. Non, tu me laisses terminer. Donc la volonté politique. La volonté politique, elle est là. Maintenant, il faut la traduire en projet politique. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est ce quoi nous pensons qu'il faut que la diaspora elle-même se consacre à rédiger cette politique. C'est compris, André. Voilà. Très bien. Encore en 39 ans de pouvoir, je pense que M. Biya a eu tellement de volonté politique au Cameroun, va très bien. Donc, le 10 février 2021, ce président Biya lançait un appel à la diaspora camerounaise pour qu'elle se mette au travail, comme le fait celle des autres pays africains, le but étant de participer côte à côte à l'émergence du pays horizon 2035. Nous sommes en 2021. Oui. Donc, c'est maintenant, 39 ans après, que M. Biya pense à lancer un appel à la diaspora pour construire ce pays dans l'abîme. Je sais de quoi je parle, vous aussi d'ailleurs. C'est maintenant qu'il y a pensé. Très bien. À travers votre association à but non lucratif, Siakoukam, vous entendez y participer et contribuer, donner chair et contenu à ce projet. Merci de nous présenter déjà Siakoukam. Merci beaucoup de me donner cette opportunité, Jackie. D'abord, Diakokam, c'est la diaspora constituée du Cameroun. Ce n'est pas une simple association. C'est une plateforme, en fait, qui réunit des compétences qui regroupent des associations et puis des individualités qui se sont mis ensemble et qui est ouvert. Hein, donc, notre ami Raoul sera le bienvenu. Qui se sont mis ensemble, qui se proposent de se mettre ensemble sur toute l'étendue de la planète, c'est-à-dire qu'on a des représentants partout, en Europe, en Amérique, même en Afrique. En Afrique, notamment au Gabon, vous savez, la plus forte communauté de la diaspora camerounaise, elle est au Gabon. Vous voyez ? Donc, on se propose... Ah ben voilà, tant mieux, comme ça vous le savez mieux que moi. Eh bien, on se propose, après les constats qu'on a fait tout à l'heure ensemble dans le début de cette émission, on se propose de réfléchir maintenant à une nouvelle stratégie de la diaspora, c'est-à-dire comment aujourd'hui impliquer la diaspora camerounaise dans toutes ses compétences, avec tous ces talents, dans tous les domaines où on sait que la plupart se sont illustrés, comment les impliquer, les associer au développement du Cameroun. Mais comment le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que pas en opposition avec l'État, pas non plus sous la coupe de l'État. On propose en fait un partenariat stratégique avec l'État, vous comprenez ? Et un partenariat stratégique avec les entités privés, donc les entreprises, les porteurs de projets qui seraient intéressés, c'est d'être l'interface et la matrice qui va permettre justement de rendre possible, vous voyez, ce partenariat. Et Diakokam, en fait, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? On propose d'abord de mettre en place un comité stratégique qui va s'occuper de rédiger, de développer et de proposer
à l'État du Cameroun une vraie politique d'engagement de la diaspora. Et donc, le projet d'écriture de cette stratégie est en cours. Donc, je sais que vous avez contacté mon jeune confrère Eric Golf Kouachou, qui a une association qui œuvre dans le même sens que vous. Vous doutez bien qu'avant cette émission, j'ai quand même travaillé un peu. D'accord. Et là, vous avez contacté Eric Golf Kouachou, que je salue en sens. Quelle a été sa réponse à votre demande? Écoutez, il a été. D'abord, ça a été un plaisir de parler avec lui et de faire sa connaissance. Et donc, il a été très ouvert et très enthousiaste à l'idée justement de conduire ce type de projet. Parce qu'en fait, la difficulté, comme on a dit dès le début, c'est qu'il y a une carence en termes, si vous voulez, de fédération, de synergie, en fait, des forces. On a des forces comme son association à lui, et d'autres comme ce que fait, par exemple, le député Ngatia au Cameroun. Il y a des initiatives qui se font, mais qui sont toujours faites de manière individuelle, de manière un peu disparate. Donc, l'idée avec Diakokam, justement, c'est de mettre en place une synergie, vous comprenez, qui va regrouper toutes ces forces et les canaliser dans une direction qu'on espère positive et porteuse. Mais derrière le projet, si vous voulez, simplement de rédaction de cette politique, on a toute une série, en fait, d'éléments qu'on propose. On a constaté qu'en réalité, la diaspora, dans sa majorité, malheureusement, a du mal à s'impliquer plus fortement aujourd'hui par rapport au développement du Cameroun. Et on estime qu'il y a des raisons qui sont des raisons objectives, qui ne sont pas forcément des raisons politiques, politiciennes, hein, ou des raisons de type ethno-régional, etc. Tout ça, à mon avis, est accessoire. Les raisons objectives sont liées au fait que cette diaspora se sent marginalisée, ou en tout cas pas assez représentative. Pas assez représenté. Marginalisé par qui? Alors, marginalisé par la configuration actuelle des institutions et du fonctionnement. Les institutions à la tête. Qui est à la tête de ces institutions-là pour vous? Non, ce n'est pas la question la plus intéressante. Non, mais ben, ce n'est pas vous qui dites la question qui est intéressante. Mais je vous donne mon avis. Vous êtes mon invité, je vous pose des questions, vous donnez des réponses. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Je réponds. Qui est à la tête de ces institutions qui marginalisent la diaspora camerounaise? Qui est à la tête? Non, d'abord, ce n'est pas comme ça qu'il faut formuler la question. Vous comprenez que M. Indian ne veut pas répondre à... Mais non, attendez. Non, attendez. Non, je réponds, mais je réponds d'une certaine manière. Parce qu'il ne faut pas biaiser le débat. Il ne faut pas chercher à indexer. On n'est pas dans un débat, André Indian. Je vous pose la question. Vous m'avez dit que la diaspora camerounaise se sent marginalisée. Oui, je vous demande, c'est un sentiment. Vous dites par les institutions et je vous demande qui préside au destiné de ces institutions camerounaises aujourd'hui. Qui? Alors, je vous réponds, parce que vous avez l'art d'aller toujours un peu vite en besogne. Il y a d'abord deux choses. Oui, il y a deux choses. Écoutez-moi. Deux choses. Première chose d'abord, j'ai dit que cette diaspora se sent marginalisée. Donc, on parle d'un sentiment. On ne parle pas d'une réalité de marginalisation, on parle d'un sentiment. Laissez-moi terminer. D'abord, on parle d'un sentiment. Et un sentiment, ce n'est pas une réalité. OK? Donc, il faut bien faire la part des choses. Et ce sentiment, c'est un ressenti, vous comprenez? Mais dans les faits, dans la réalité, vous avez une partie qui se sent représenté, hein. Bon, mais moi, je tiens compte de la partie qui se sent marginalisée. Et cette partie-là, qu'est-ce que je dis? Je dis que elle se sent marginalisée pour quelle raison? Parce que elle n'est pas représentée au niveau de l'Assemblée nationale, elle n'est pas représentée au Sénat, elle n'est pas représentée dans l'ensemble des institutions du pays, parce qu'il y a le problème de la binationalité qui n'est pas un problème qui a été réglé. C'est vous qui voulez aller désormais plus vite que le train. Et surtout,
Je sais que vous aimez le poisson, n'est-ce pas, André? J'ai pas compris. Vous aimez le poisson, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien. Contentez-vous de le manger, ne le noyez pas. Mais c'est pas un défi, Raoul Cuchot, vous allez me dire par qui la diaspora camerounaise. Est-ce que vous pensez, vous aussi, Raoul Cuchot, que la diaspora camerounaise se sent marginalisée? Si vous pensez que, dites-moi par qui vous pensez, vous trouvez que cette marginalisation se sent rejetée. Écoutez, Jackie, je vois que vous n'avez pas du tout, malgré le contexte de la pandémie et de la mélancolie qui s'est emparée du monde, le cher Jackie n'a pas perdu de sa verve de vous de... posez pas la question alors, non mais je veux dire malgré la courtoisie et le côté sympathique d'André, on voit bien que il s'efforce d'éviter de poser le problème dans sa complétude, quoi. Il essaie de André, absolument d'absoudre la partie principale. Il n'y a pas une sorte de symétrie des forces, il n'y a pas d'égalité des moyens entre l'État camerounais et son gouvernement et la diaspora camerounaise. Ça n'existe pas. C'est un peu comme si, parce que ce qu'on appelle au Cameroun les élites extérieures, par exemple d'Edeya ou de Bangante, se battent, quand on dit élite, c'est-à-dire les ressortissants d'Edea qui sont à Douala ou à Yaoundé, les ressortissants Bangante qui sont à Douala, à Yaoundé, à Paris, à Washington, qui se débrouillent de temps en temps dans des réunions, des associations pour lever des fonds, pour taper une école, pour mettre la peinture sur l'église du village, pour monter un petit dispensaire. C'est comme si on mettait une sorte d'égalité de force entre ces efforts-là des élites extérieures. Et la mairie d'Edea ou bien la mairie et la préfecture de Bangante qui a les ressources de l'État qui a tout ce qu'il faut. L'État camerounais avec son gouvernement, ils ont les leviers du gouvernement, ils ont la puissance publique, ils ont les moyens illimités de l'État, y compris en termes de mobilisation institutionnelle des ressources de la diaspora, y compris en termes de volonté manifeste, pas simplement dans la parole n'est qu'une partie, un indice de l'action politique. La parole n'est pas toute l'action politique, grâce à Dieu. La politique, comme on dit, commence par le discours. Mais heureusement que ce n'est pas que le discours. Vous ne pouvez pas dire que les ressortissants de la diaspora ont un sentiment d'être marginalisés. Ils le sont. Ils sont marginalisés depuis des décennies, depuis avant même Biya, M. Biya, on peut le dire. Pour vous, qui sont-ils marginalisés, Raoul Cuchot? Je vous pose la même question qu'à notre invité principal. Pour vous, Raoul Cuchot, ils se sentent marginalisés par qui? Ben, ils sont marginalisés par le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Le pouvoir à la tête du pouvoir trône M. Biya. Ben, évidemment. Voilà, il faut appeler le chien par son nom. Si le chien, c'est Médor, c'est Médor. Si c'est Médor, c'est Médor. Connu de tout le monde, sauf ceux qui refusent de voir. Bon, très bien. La mise sur pied d'un cadre d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la politique en charge des Camerounais à l'extérieur, qui est doté de leadership représentatif de la diaspora, c'est aussi un but de votre association. La coordination, la mise en réseau et mise à disposition des compétences et des talents de la diaspora, l'aide à la préparation technique et à la mise en œuvre de la politique de la binationalité conformément aux recommandations du Grand Dialogue National. La création d'un conseil national représentatif des Camerounais de l'extérieur avec 10 sénateurs et 18 députés à l'Assemblée nationale. André Indahinda, dites-moi, ce seront 10 sénateurs nommés ou élus? Parce que nous savons que il y a des élus, il y a des nommés. Vous revendiquez 10 députés, 10 sénateurs et 18 députés. Seront-ils démocratiquement nommés ou démocratiquement informés ou bien seront-ils vraiment élus? Bon. Ok. Alors je vais d'abord revenir sur ce qu'a dit Raoul. Hein. Ce qu'il dit est vrai, mais on n'a peut-être pas, si vous voulez, la même façon d'articuler un peu le propos. Je suis dans une démarche avec mes amis de Diakokam. Nous sommes dans une démarche constructive, et on estime que l'État du Cameroun est un partenaire avec lequel il faut collaborer. Et donc, on ne peut pas collaborer avec un partenaire si on est dans l'insulte et l'invective. Ça ne veut pas dire
qu'on absout tous les travers ou tous les manquements ou tous les impéricies. Il y en a eu énormément, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est de construire l'avenir. Vous comprenez? Et l'avenir qu'on construit, c'est avec l'État. C'est avec l'État qui est là. Nous avons fait le choix de construire avec l'État. Et parce que l'État a tendu la main, ben on répond à la main tendue. Mais on le fait de manière lucide. Vous comprenez? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante par rapport justement à votre question, c'est le souci. Notre souci, c'est que cette représentation soit faite de manière totalement démocratique. C'est-à-dire que organiser toute la diaspora, et c'est pas une mince affaire, je vous ai dit qu'on a à peu près 7 millions de Camerounais à l'extérieur. 7 millions de Camerounais. 7 millions de Camerounais, ce sont ceux qui ont un titre de séjour à l'extérieur, ou bien ceux qui ont été naturalisés, vous les considérez comme étant toujours des Camerounais. Ceux-là qui payent les visas pour retourner voir leur maman, sont-ils toujours des Camerounais pour vous? Écoutez, j'écoute très bien de Inda. Oui. Ceux-là sont toujours des Camerounais pour vous, ceux qui payent les visas pour aller enterrer maman et papa, né à Yaoundé, né à Ezeka, né à Bafoussa, né à Verroy, sont-ils considérés comme étant des Camerounais dans les 7 millions que vous dites là? Pour moi, ce sont toujours des Camerounais et qui attendent comme vous et moi la question de la binationalité soit réglée très rapidement. Vous comprenez? Alors, ces 7 millions-là, vous imaginez la force que ça représente, mais ça représente, mon cher Raoul, ça représente une force qui est même plus importante que certains États. 7 millions de citoyens organisés et qui pour la plupart ont un certain niveau d'intelligence, de formation, d'un certain niveau. Donc, il faut les prendre au sérieux. Et notre idée, c'est de les organiser de la manière la plus démocratique et la plus équilibrée possible. Alors, André Inda, votre initiative est louable, oui, on peut le dire, car on y décèle une volonté d'améliorer les choses et surtout faire participer la diaspora, faire enfin participer la diaspora camerounaise à la construction d'un Cameroun qu'on espère, prospère. Mais 2035, je pense que c'est un leurre, ça, 2035. C'est possible. Cela est possible car les Camerounais sont brillants. Tout à fait. Nous dit pourquoi votre association a été créée en Belgique. Par conséquent, elle est soumise à la loi belge et non à la loi camerounaise. Nous croyons bien. Alors, c'est très simple. Hein. C'est vraiment pour des besoins pratico-pratiques administratifs. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un ancrage local pour pouvoir fonctionner, exister légalement. C'est tout. Mais le principal, et vous le verrez, la plupart de nos membres sont partout. On avait juste besoin d'un ancrage pour pouvoir mettre en place une structure légale. Mais c'est une structure qui a une dimension évidemment internationale et qui fonctionne de cette manière-là. Pensez-vous qu'une association étrangère viendra gérer ou participer aux affaires d'un pays étranger? Donc, pour nous qui sommes en Occident, le Cameroun, c'est notre pays d'origine, d'accord, mais c'est un pays étranger par rapport à la législation qui régit l'association que vous venez de créer. Pensez-vous donc qu'une association étrangère viendra gérer ou participer aux affaires d'un pays étranger? Bon, d'abord, ce n'est pas une association étrangère, hein, même si elle a une existence légale à l'étranger. C'est une association composée de Camerounais qui, en tant que tels, ont un statut particulier et qui a pour objet social précisément de se mettre au service de l'État du Cameroun et des entreprises camerounaises et de porteurs de projets camerounais et des chercheurs camerounais, des scientifiques camerounais. Vous voyez? Donc, on est dans une démarche tournée vers le Cameroun. Vous aimez noyer le poisson, André Inda. Mais tout ce que je dis a du sens. C'est une association occidentale, c'est une association belge. Mais non, c'est une existence. Non, c'est un détail. Quand vous avez la pratique des associations ou des entreprises, vous comprenez ça très, très rapidement. C'est simplement une existence légale pour fonctionner. Mais ce qui est déterminant, c'est l'objet social. Et cet objet social est tout entier tourné vers le lien entre la diaspora et l'État du Cameroun. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème d'ailleurs en termes de fonctionnement. Et vous, Raoul Cucheux, faites-vous partie d'une telle association quelque part en Europe?
Mais écoutez, Jackie, je voudrais revenir, si vous permettez. Pendant... Vous pouvez revenir, hein, il faut qu'on avance, sinon on passe la journée ici. Oui, hein. une minute, sur le fond, en fait, parce que je comprends la démarche d'André. Ça participe de la stratégie. André et ses amis ont une vision, une approche, si vous voulez, du rapport à l'État et au gouvernement, au pouvoir camerounais, qui peut être qualifié, si on veut, d'objective, sans que ce soit un jugement de valeur. C'est-à-dire, constructif dans la mesure où ils estiment que, au lieu d'aller au clash avec le pouvoir, il faut plutôt l'aborder par le biais de la caresse, de la bonne entente, etc. On peut comprendre, en fait. Mais seulement, il ne faut pas qu'en allant trop loin dans cette démarche-là, de dire « nous voulons être dans l'inclusion avec le pouvoir », il ne faut pas qu'on tourne trop le dos à la réalité. La réalité est celle-ci de très simple. C'est que, quelle que soit la bonne volonté d'André et des autres Camerounais à l'étranger, jamais, jamais, vous n'aurez une équivalence de ressources ou de pouvoir par rapport à ceux qui détiennent les manettes de l'État du Cameroun. Et c'est à eux de prendre la décision de mobiliser les Camerounais de l'extérieur, qui sont 5, 6, 7, 8 millions, on ne sait pas, peut-être 9, on ne sait pas, puisqu'après tous les Camerounais de l'intérieur, on ne sait pas combien ils sont. Le dernier aussi. Ben oui. Depuis 1987, donc dernier au sens ben, ben oui. 1987, oui. Mon grand-père n'avait pas été compté à l'époque, donc je ben oui. Éternellement 25 millions depuis 30 ans. Ben oui. Ben oui, lorsqu'on dit que les Camerounais sont environ 30 millions, ça vient de qui? Ça vient de Genève, ça vient de Washington, ça vient de l'OCDE à Paris. Ce sont les projections faites par les algorithmes ou les mathématiciens et statisticiens de la Banque mondiale. Mais les Camerounais refusent de faire le recensement. Là, qu'est-ce qu'André va dire? Que c'est une question de ressenti de... Non, il y a une volonté du pouvoir de mettre sous le boisseau un certain nombre de forces, de potentiel du Cameroun. Et il faut regarder la diaspora au-delà de la question politique ou de la question affective ou subjective. Il faut la regarder comme la capacité principale de notre pays. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, je ne veux pas entrer dans une polémique parce que je comprends très bien et je respecte la démarche d'André, c'est-à-dire de choisir de plutôt favoriser une approche de la discussion avec le pouvoir. Mais il y a quand même qu'on ne peut pas nier quelque chose parce qu'on doit s'appuyer là-dessus pour construire le Cameroun de demain. La Belgique où vit André, la France où Jackie et moi nous vivons, ces pays-là ne se sont jamais retrouvés dans cette situation simple historiquement, où le plus grand nombre de médecins est à l'étranger. La Belgique n'a jamais été dans une situation où le plus grand nombre de médecins belges est à l'étranger. La France n'a jamais été dans une situation où le plus grand nombre d'ingénieurs ou d'architectes est à l'étranger. Le Cameroun a cette situation exceptionnelle. Je n'accuse personne, mais c'est le fait. Le Cameroun a le plus grand nombre de ses ingénieurs à l'étranger. Ses architectes les plus réputés sont à l'étranger. Le nombre de philosophes camerounais les mieux formés sont à l'étranger, etc. Si tu as les manettes pour conduire un pays, faisons comme dans une métaphore où le pays, c'est une voiture. Tu prends quelle route pour arriver à destination? Tu prends les routes de traverse compliquées ou tu prends une autoroute? La diaspora permet au Cameroun de prendre une autoroute pour son développement. C'est là-bas, à l'étranger, que vous avez le plus grand nombre de types les plus pointus. Les gars qui ont l'ingénierie financière à la City, à la place de Francfort, à New York, à Wall Street, vous avez les Camerounais. Si vous voulez monter des projets pour aller sur les marchés financiers, faire des emprunts, vous savez très bien où se trouvent ces Camerounais, ils sont à l'étranger. Ce n'est pas une insulte aux résidents, pas du tout, mais simplement c'est factuel. Et le pouvoir, j'en finis, Jackie, ne vous inquiétez pas, c'est que le pouvoir, jusque-là, pour des raisons nombreuses sur lesquelles on reviendra peut-être, a choisi de faire, de se méfier de ces gens-là, même en reconnaissant leur vertu, leur capacité, elles s'en méfient. Et ça bloque la collaboration entre les deux. Ce n'est pas aux gens de la diaspora de faire l'effort, ce n'est pas à eux de prendre la décision, c'est à les faire. Ok, Raoul, merci beaucoup, je comprends. Waouh. Ça a chauffé sur ce plateau. André Indahinda, vous avez reçu de moi une vidéo d'un Camerounais qui dirigeait une entreprise pétrolière en Corée du Sud, qui est allé au Cameroun en décembre dernier. Nous tournons cette émission le 4 avril. Il est allé au Cameroun fin décembre 2020, voulant implanter le siège de sa société au Cameroun, société dans laquelle faisaient partie plusieurs Canadiens, plusieurs Coréens, plusieurs Tôt. Au départ, ses amis lui avaient dit « Non, le Cameroun, ce n'est pas un pays sûr. » Il a insisté. Ils étaient deux avec les passeports canadiens. Ils sont arrivés à l'aéroport où ils ont l'habitude de prendre leur visa. Dans son passeport, il y avait déjà 17 visas camerounais pris à l'aéroport au Cameroun. Lui, il s'appelait Yapi. L'autre s'appelait Guidiol, je crois. Guidiol a eu un visa d'entrée au Cameroun là devant lui. Mais Yapi,
n'a pas eu le 18e visa et s'est retrouvé en cellule et rapatrié au Canada. Est-ce que vous demanderez à ces Yapi de rejoindre votre association en débarras Inda Inda? Oui, sans hésiter. Vraiment sans hésiter. D'ailleurs, précisément pour corriger ce type d'erreur. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est une triste histoire. Je l'ai lu, je l'ai écouté. J'en étais d'autant plus attristé que je voyais que, encore une fois, le Cameroun perdait une excellente opportunité pour se développer. Et donc, le projet, c'est d'éviter ce type d'erreur, c'est d'éviter ce type de travers. Et pour les éviter, il ne faut pas croire que l'État a la science infuse. Hein, nulle part, hein, l'État n'a la science infuse. Moi, mon boulot, c'est justement de réfléchir au fonctionnement de l'État. L'État n'a pas la... Est-ce qu'il ne faut pas remettre l'Église au centre du village? Vous dites l'État, tout le monde, l'État, même vous et moi. Et oui. Les gouvernants, parce que ce n'est pas l'État. Mais c'est eux qui incarnent. Mais c'est eux qui incarnent. C'est les gouvernants qui incarnent l'État. L'État n'est pas une fiction. Hein. L'État n'est pas une fiction. C'est les gouvernants qui sont là, si vous voulez, mais qui incarnent l'État, ils n'ont pas la science infuse. Hein. Et ils ne sont pas non plus au contrôle de tout ce qui se passe dans tous les détails. Hein. Donc, il y a des erreurs qui se font, qui ne doivent pas se reproduire. Et pour les empêcher de se reproduire, il faut qu'il y ait une vraie démarche. Moi, j'ai écouté tout à l'heure Raoul par rapport à ce qu'il a dit. En fait, il a raison. Et sur ce point, on est tout à fait d'accord. La diaspora, l'implication de la diaspora, c'est vraiment l'autoroute pour le développement. J'ai même un ami qui a l'habitude de me dire il n'y a que la diaspora pour sauver le Cameroun. Vous voyez. Bon, c'est un peu excessif, vous voyez. C'est un peu messianique. Oui, mais. Pas forcément. Voilà. Moi, j'ai une approche beaucoup plus modeste en disant il faut accorder du crédit à ceux qui dirigent le Cameroun, même s'ils font des erreurs. Il faut accorder du crédit à ceux qui dirigent les entreprises de Cameroun, même s'ils sont en difficulté. Et il ne faut pas non plus se présenter auprès des Camerounais comme étant la puissance absolue, et se présenter en tant que membre de la diaspora avec arrogance, avec suffisance. Non. Il faut sortir de ces deux extrêmes, en fait. Il faut trouver un point d'équilibre pour rendre possible une collaboration, vous comprenez? Parce que c'est ça qui bloque. C'est la capacité à se faire confiance mutuellement à un certain niveau et avancer. Nous sommes là pour débloquer justement ce qui bloque. André Inda Inda, oui. Qui a besoin de tous ces enfants? Je suis sûr que vous, comme Raoul, nous sommes d'accord là-dessus. Tout à fait. Pour se bâtir. Comme vous le savez, tous les Camerounais ayant acquis une nouvelle nationalité sont mis au banc de touche. Oui. Il y a des Camerounais à part entière, des Camerounais entièrement à part. Voici exactement 12 ans que le président Biya, que vous n'aimez pas citer, avait déclaré ici à Paris qu'il se penchait sur le dossier de la double nationalité. Bon, il a promis tellement de choses que je ne sais même plus laquelle il a respecté un jour. 12 ans après, on ne voit toujours rien venir. C'est même pire que cela, André Inda Inda. Vous voulez réconcilier la diaspora avec les Camerounais, le Cameroun, n'est-ce pas? Il y en a qui restent 2 ans sans avoir leur passeport, 2 années. J'ai fait plusieurs émissions là-dessus depuis 2 ans. J'ai dû indexer Jean-Louis Messi qui vient de perdre son poste là. J'ai dû indexer même M. Barganguelé dans cette affaire-là. Le Camerounais doit payer 500 000 francs, 1 million de francs en CFA, 1 500 euros pour espérer avoir un passeport. Les Camerounais n'ont même plus d'identité. André Inda Inda. Comment voulez-vous réconcilier un tel Camerounais avec un tel régime? Voilà. Alors, moi, je vais vous répondre. Bon, d'abord, je ne suis pas là pour défendre le régime. Et je n'ai aucun problème pour parler du président Biya. Hein. C'est le président du Cameroun et je le respecte pour cela. Mais moi, j'ai une vision claire et lucide des choses. Je suis un type réaliste. OK? Donc, voilà. Donc, je ne suis pas dans les grandes idées ou bien dans les grandes projections ou dans les grandes contestations. Ça ne m'intéresse pas du tout. Dans les grandes réalisations. donc, moi, je parle en fait de ce qui fonctionne. Vous comprenez, Jackie? Et c'est vraiment très important. Il faut savoir que la question de la double nationalité,
comme la question qui est celle de la difficulté à obtenir les cartes nationales. C'est certainement une expression des difficultés ou même des insuffisances de fonctionnement de ce que vous appelez le régime, vous voyez. Notre idée à nous, c'est de dire que c'est certainement aussi un manque de ressources et de compétences que la diaspora peut combler. Oh là là, vous allez vous faire tirer dessus en disant cela au Cameroun. Vous permettez. Faut pas croire que les gens sont aveugles. Hein. Les gens voient ce qui se passe. Hein. La diaspora a des ressources au niveau politique, au niveau juridique, au niveau diplomatique, mm-hmm. comprenez, qui sont capables de donner un coup de main à l'État pour s'améliorer, améliorer son fonctionnement, augmenter ses performances. C'est ce qu'on propose à l'État. On ne vient pas juste dire à l'État, vous êtes défaillant. Et puis après, il y a quoi? On n'est pas dans cette démarche-là. Nous, on vient dire, on voit que là, il y a une insuffisance. Voici ce qu'on propose pour corriger, pour combler, pour avancer. C'est dans cette démarche qu'on est. Raoul Kucho, dites-moi, vous entendez André Ndayinda énumérer les compétences que la diaspora mettra à la disposition du Cameroun pour l'aider à s'améliorer. Est-ce que ce n'est pas parce que ces Camerounais de la diaspora ont ces compétences-là qui sont sciemment rejetées? Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, Raoul Kucho. Dans votre livre, vous l'évoquez. Expliquez-nous ça. Écoutez, Jackie, vous allez dire que je reviens tout le temps alors qu'on doit avancer dans l'émission, mais j'ai envie de saluer la posture d'André. Elle me va très bien. La posture d'André, cette partie-ci de sa posture, qui est qu'il faut se montrer conciliant. Parce que, vous savez, les passions sont exacerbées. La tension est montée au maximum depuis notamment la dernière campagne présidentielle. On n'a jamais assisté à un tel divorce entre le Cameroun, c'est-à-dire le territoire national, et ses enfants partis à l'étranger. On n'a jamais assisté à un tel niveau de défiance, en fait. Jamais. Dans l'histoire de notre pays. Qui est un pays jeune, bien sûr. Mais on n'a jamais assisté à ça. Ça a été porté à un niveau extrême par la campagne. Et ça a éclairé des choses qui étaient jusque-là des tabous, qui étaient mises sous le boisseau, cette espèce de méfiance viscérale des hommes au pouvoir à l'égard de Camerounais de dehors. Qui date, hein? Ça date des années de lutte pour l'indépendance où, souvenez-vous, hein, c'est Moumié est mort à Genève, hein, Wandie a vécu longtemps à l'étranger avant de revenir, hein, les King et consorts, hein, veut dire, ça fait longtemps que les gens au pouvoir au Cameroun considèrent les enfants du Cameroun vivant dehors avec suspicion. C'est-à-dire qu'ils sont soupçonnés d'être contre le régime en place. Il y a des raisons. Et le problème, ça s'est aggravé, en fait, avec les 40 dernières années. Parce que le président Ahidjo avait un certain nombre de griefs contre les forces nationalistes, l'UPC, etc., etc., qui s'étaient structurées notamment autour de l'UNEC, c'est-à-dire les enfants de l'UPC. Mais après, ça s'est apaisé. Vers la fin des années 70, après qu'on ait réduit Poussé Ndormont en exil, assassiné Wandie et ses compères, l'affaire a commencé à s'abaisser. Quand Ahidjo s'est mis avec son gouvernement en tête, il s'est mis en tête de construire le Cameroun. Ils ont commencé à laisser revenir des gens. Et quand le président Biya prend le pouvoir, il lance un appel très fort, il dit « revenez ». Les gens reviennent au Cameroun. Sauf qu'évidemment, il s'agissait de revenir pour les diasporiques, revenir faire le business ou travailler dans l'administration ou dans les entreprises, mais pas faire la politique. Voilà, les choses ont commencé à se compliquer à la fin des années 80. Je serai très court, hein, ne vous inquiétez pas. À la fin des années 80, lorsque, sous l'appel de Mitterrand et toute la farce qu'on connaît, on est allé monter cette espèce de multipartisme, etc., de retour multipartisme, etc. Ça s'est exacerbé parce qu'il y a une polarisation objective entre les Camerounais de dedans et ceux de dehors. Ceux de dehors ont la chance de vivre en des endroits où on respecte les droits de l'homme, on accepte naturellement le pluralisme des idées, c'est-à-dire on peut se lancer dans la confrontation idéologique sans que ce soit un crime, etc. Donc quand ils retournent au Cameroun, quand je dis retourner, c'est pas physiquement, c'est-à-dire même simplement lorsqu'ils remettent le regard sur leur pays d'origine, ils voient bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou bien que ça va pas assez vite, etc. Ce qui fait que il y a une sorte de suspicion à l'intérieur, à l'endroit des diasporiques, et il y a une sorte d'incompréhension de la diaspora à l'endroit de dedans. C'est-à-dire les gens de dehors, les diasporiques ont des raisons de ne pas comprendre comment ça se passe au Cameroun, et les gens de dedans se méfient des gens de dehors, y compris dans les familles, hein, c'est-à-dire vos cousins, vos frères, vos sœurs.
ils finissent par vous regarder en disant, attendez, il est arrogant, comment, disent André. C'est-à-dire que on regarde les diasporiques comme des gens qui viennent avec la science infuse, etc. Mais j'ai envie de dire, André, attendez, est-ce que c'est un diasporique sous-préfet formé à l'ENAM qui a dit à un chef du village dans le sud, si vous vous amusez, je vais vous démettre comme chef, un chef traditionnel, je vais vous démettre, c'est un sous-préfet, c'est un Camerounais, il vit en gros Cameroun, je ne sais pas s'il est déjà parti à l'étranger une fois. C'est pas pour rien, ouais. Donc en termes d'arrogance, les résidents camerounais n'ont pas de leçon à donner aux diasporiques, ce sont des Camerounais comme eux. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes tares, entre guillemets. C'est-à-dire que les Camerounais ont tendance à avoir une certaine violence dans le discours, dans le rapport aux autres, etc. Ce sont les mêmes, ce sont des Camerounais. Donc, ce que dit André, moi, je comprends tout ça, sauf que j'espère que je suis toujours en train de répondre à la question de Jackie. Il y a un problème, on ne peut pas le nier. En même temps, André a raison d'avoir cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'il faut se montrer conciliant. Seulement, et là, j'en aurais fini. Tant qu'on ne posera pas les problèmes sur la table, dans leur difficulté, de façon exigeante, poser le problème, c'est quoi? C'est reconnaître que, au-delà du discours et de l'enfumage, au-delà de ce que j'ai appelé dans le bouquin dont Jacques me fait l'honneur de parler, moi, j'ai appelé ça une stratégie de la marginalisation. Il y a une stratégie mise en place avec une mobilisation de ressources symboliques, de ressources manipulatoires, etc. Une vraie stratégie, c'est-à-dire il ne s'agit pas de manquement, parce que André disait, ouais, le pouvoir ne contrôle pas tout dans les détails. Non, il y a une volonté politique de couper une partie du Cameroun de la terre nationale. Je vais mettre de l'eau dans votre moulin. Quand on sait qu'en Occident où nous vivons, n'entre pas en polytechnique qui veut, mais qui peut. J'ai choisi polytechnique. N'entre pas dans une grande école qui veut, mais qui peut. Nous en savons tous quelque chose. Chacun d'entre vous, moi qui vous parle également, pour entrer dans une école, là, il y a passé un concours. Mais nous savons combien les concours au Cameroun, parfois, des gens qui sont morts depuis 3 mois sont majeurs au concours. Alors, ceux-là, quand ils arrivent au poste, vous pensez qu'ils ont envie de nous voir arriver, André Inda, honnêtement? Dites-le, André Inda, vous pensez qu'ils ont envie de nous voir arriver, nous, de la diaspora? Mais moi, ces gens-là ne m'intéressent pas du tout. Mais ce sont eux qui tiennent les rênes du pouvoir au Cameroun, André Inda. Je ne crois pas. Ah bon? Non, je crois qu'il y a des gens. Je crois qu'il y a des gens sérieux qui dirigent le Cameroun. Je connais un qui est secrétaire d'un ministère. Il a vu passer 7 ministres. Il est toujours là, un monsieur du Nord. Je ne le cite pas. Il est là depuis Mathusalem. Je ne suis pas certain qu'il ait une licence en quoi que ce soit. Vous pensez qu'il n'a pas envie de voir un jeune de l'espoir arriver plus compétent, plus diplômé et tout? Il y a des gens médiocres qui sont disséminés un peu partout dans l'administration. Mais vous savez, il y a des gens médiocres aussi au sein de la diaspora. Hein. Donc, mais on ne va pas parler des gens médiocres. On va parler, et c'est ce que je souhaite vraiment, qu'on parle des gens qui sont compétents et sérieux. Et parce que c'est avec eux qu'on discute. Vous comprenez? Les gens qui dirigent le Cameroun sont des gens sérieux, c'est avec eux qu'on discute. Quand il y a des problèmes, comme ceux qu'on évoque là, il faut les évoquer avec eux, mais il faut le faire avec un minimum de décence, de courtoisie, de fermeté. Je n'ai pas de doute avec ça. Je dirais même de radicalité s'il le faut. Vous comprenez? Pardon? Oui, de fermeté, de radicalité s'il le faut, mais de le faire avec courtoisie, parce qu'on parle à des partenaires. Parce que si vous ne voulez pas traiter votre partenaire avec courtoisie, vous n'allez jamais collaborer avec lui. C'est sûr. Voilà, donc, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, nous, on dit, il y a des difficultés. Il faut pas se voiler la face. Mais il faut pas non plus ne considérer que les difficultés et s'empêcher d'avancer. Revenons sur Diako Cam, qui est donc, vous nous rappelez comment... C'est une plateforme. Vous nous rappelez donc, Diako Cam entend mettre en place 4 axes sur lesquels vous allez vous appuyer. Pouvez-vous nous énumérer les 4 étapes sur lesquelles vous souhaitez vous appuyer? En fait, d'étapes, je parle plutôt, si vous voulez, de dispositifs opérationnels qui va nous permettre de rendre possible justement notre stratégie d'engagement de la diaspora. Je vous ai tout à l'heure indiqué, et je pense que c'est même vous qui l'avez fait, qui avait la question de la représentation. Oui, tout à fait. Très important. Il faut qu'il y ait un conseil représentatif des Camerounais de l'extérieur. Ensuite,
on entend mettre en place une coordination de pôles de compétences qui par filière professionnelle. On aura des pôles de compétences qu'on va réunir et qu'on va mettre à la disposition du Cameroun dans le cadre d'un cadastre, en fait, des compétences qui seront articulées autour des besoins du Cameroun. C'est-à-dire, dans chaque secteur précis, s'il y a des besoins au Cameroun qui émergent, ben, on les met en... Des besoins qui émergent. Des besoins qui émergent. Ou bien qui... Les 30 dernières années, j'ai vu très peu de besoins qui émergent dans ce pays-là. Sinon, il n'y aurait pas, on ne manquerait pas de route, d'eau potable, d'électricité, on ne manquerait pas tout dans ce pays-là si quelque chose émergeait. Voilà. En tout cas, voilà. Partout où il y a un besoin de compétences qui émergent ou bien que nous allons identifier nous-mêmes. Il y a la construction des stades. Par exemple. Vous avez des ingénieurs pour le faire. Voilà, c'est ça. Par exemple, s'il y a... Vous avez un projet pour que le stade de l'Olympique fonctionne un jour. Voilà. Ah ben donc, en fait, donc, l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si le Cameroun a ce type de gros projet, eh bien, le Cameroun peut intéresser d'abord sa diaspora. Donc, établir un contact avec nous, et nous, on fait nos recherches autour, justement, de nos pôles de compétences pour voir quel est le groupe de compétences qu'on peut former pour répondre à l'appel du Cameroun. Ça, c'est la deuxième étape, c'est très important. Troisième étape extrêmement importante, c'est que derrière, en fait, ces pôles de compétences, on pense à créer carrément une agence qui va s'occuper du recrutement, de la formation, de l'encadrement, de l'évaluation, de la mise à disposition des talents de la diaspora pour le Cameroun, pour le public comme pour le privé. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez qu'il y a on en a parlé ici, des talents de la diaspora dans tous les domaines. Il y en a qui travaillent ici, il y en a qui ne travaillent pas, ou bien qui travaillent à temps partiel, ou il y en a qui travaillent complètement, mais qui pourraient être à la disposition du Cameroun, même à distance. Okay. L'idée, c'est de créer un vrai... André Inda, combien l'ordre des médecins camerounais empêche les médecins de la diaspora camerounaise de donner leur avis au Cameroun? Je sais de quoi je parle et ce n'est pas Dr. Sanjon qui peut me contredire. Sinon, je l'invite tout de suite et je le lui démontre. Eh bien, c'est... ça avec des gens comme ça à la tête. Eh bien, c'est l'occasion, justement, c'est l'occasion. Il faut rester positif, hein, Naki. Donc, c'est l'occasion, justement, avec ce type de difficultés, c'est d'établir un dialogue avec le Conseil des médecins. Vous comprenez? Mais un dialogue qui soit un dialogue courtois, qui n'est pas dans la contradiction, la provocation ou bien le défi. Ne soyons pas naïfs. Non, ça n'a rien à voir. Non. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vais terminer. Oui. C'est quand même, vous soutenez bien, vous voulez bien collaborer avec un régime dictatorial. C'est pas... Il n'y a rien foutu en 45 ans. Le Conseil des médecins, ce n'est pas le régime. Permettez-moi de diriger une petite émission qui ne vaut rien du tout. Mais je vous en prie. L'OCUS aujourd'hui au Cameroun ne vaut plus grand chose. Pour y rentrer, il faut acheter son concours. Vous voulez demain dire à quelqu'un qui est passé par l'OCUS, pardonnez-moi, je n'insulte personne. Vous voulez dire à quelqu'un qui est passé par l'OCUS et qui se retrouve à la tête de telle structure, de discuter avec un médecin formé chez vous à Bruxelles, en Allemagne ou au Canada, vous ne trouvez pas que celui-là, par simple complexe, ne veut même pas voir celui-là de l'autre arriver? Allons, faisons du terre à terre. Alors, OK, je vous réponds sur ces questions précises. Vous avez pris un bel exemple, je vais vous dire. D'ailleurs, je vais lui rendre hommage aujourd'hui. On avait un de nos membres du JACOCAM qui s'appelle le professeur Evran Guijoy. Il est décédé aujourd'hui, malheureusement, de COVID. Aujourd'hui. Et donc, je profite pour lui rendre hommage et informer les membres de notre plateforme. Ah ben, le professeur Guijoy, de regretter mémoire maintenant, est rentré au Cameroun il y a 10 ans, après avoir fait une formation ici en Belgique. Il était professeur à la faculté de médecine dont je viens de parler, et les sciences biomédicales. Et il est devenu chef d'un département. Voilà un interlocuteur de la diaspora qui a été capable de rentrer dans une démarche individuelle et qui s'est avéré être une démarche qui est progressive, qui est porteuse de résultats et qui ne fait pas d'éclat.
Alors, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les exemples problématiques et mettre sous le boisseau les exemples qui sont porteurs d'espoir. Vous comprenez? Il est important, si on veut construire, Jackie, si on veut construire, il est important de se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Je vais malheureusement vous annoncer qu'un autre qui était parti de France pour exercer au Cameroun vient de revenir. Il n'a pas pu exercer dans ce pays tellement c'est compliqué quand on vient de la diaspora pour travailler. Pourtant, le Cameroun manque cruellement de médecins. Oui. Pas d'ici par amour pour le Cameroun. Oui. Pas exercer. Notre projet, Jackie, justement, c'est que ce type de démarche ne doit plus se faire de manière individuelle. C'est-à-dire que si, c'est ça le sens, en fait, de notre plateforme de compétences. Quand on veut que les médecins rentrent au Cameroun, on prépare toute la démarche, depuis leur identification ici jusqu'à leur engagement sur place. Et à toutes les garanties qui seront liées à leur engagement sur place, tout doit être préparé du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'on doit procéder. Connaissez-vous le professeur Aimé Bonny? Non, pas personnellement. Non. Je suis, chers téléspectateurs, les émissions du professeur Aimé Bonny, qui est cardiologue au sujet de plus. Il était parti d'ici, il est professeur de cardiologie, hein, ici à Bordeaux. Oui. Il n'y a pas beaucoup au Cameroun, hein, qui ont des stades, qui ont passé leur délégation par ici. Oui. Il est au Cameroun par amour pour le pays. Il a vu mourir un patient dans un hôpital que je ne cite pas à Douala, très grand hôpital Douala, parce qu'il manquait un cachet d'aspirine. Je sais. Alors, vous allez faire quoi pour élever ce genre de choses si la tête, ce que vous appelez l'État, ne pense pas à ce genre de choses? Vous allez faire quoi pour permettre, vous prendre la parole à tout de rôle, pour permettre à ces bonnes volontés qui passeront par Dzekoukam d'aller au Cameroun, d'y travailler, d'y rester? Comment vous avez fait pour changer les mentalités? Comment vous avez fait pour changer l'organisation politique du pays qui boite à ce niveau-là? Non. On n'a pas l'ambition de changer ni les mentalités, ni même de faire une révolution politique. Ce n'est pas le but. Vous comprenez? Le but, simplement, c'est d'organiser la diaspora pour lui permettre de rentrer dans le dispositif et d'avoir un impact sur le développement du Cameroun. C'est ça, le projet. Vous comprenez? Et dans ce projet-là, on ne va pas révolutionner l'État. On a des ambitions beaucoup plus modestes, mais qui sont des ambitions qui sont réalistes. Quand vous parlez de ce problème de médicaments qui manquent dans un hôpital, ce type de problème, c'est assez général au Cameroun, évidemment. Et donc, quel est le problème qui se pose derrière cette question-là? C'est la réflexion qu'il faut avoir sur la politique de santé publique au niveau du Cameroun. Comprenez? Eh bien, la diaspora, avant de commencer à engager des actions individuelles par des médecins qui soient des cardiologues ou qui soient des dentistes qui font ici ou là des actions extrêmement louables, mais avant de s'en tenir à ces initiatives, il faut d'abord, en amont, avoir une vraie réflexion sur la politique de santé, et ces médecins, ces cardiologues doivent l'élaborer et la proposer à l'État, par exemple. Ils doivent l'élaborer et la proposer, par exemple, au Conseil des médecins du Cameroun. Alors, oui. Je vous défie d'amener Dr. Saint-Jean, qui est à la tête de l'Ordre des médecins camerounais. Je vous défie de l'amener sur ce plateau répondre à mes questions. Il ne tiendra pas la 20 minutes. Si vous saviez ce que je sais. J'ai travaillé tellement dessus, je ne sors encore rien, mais je travaille parce que si je sortais cela, ces médecins qui se battent et qui ont investi au Cameroun pourraient ne plus avoir le droit de poser les pieds au sol au Cameroun. Voilà pourquoi je ne publie rien. Vous avez dit l'ordre des médecins? S'il y a un ordre de médecins qui ne fonctionne pas... J'ai l'impression parfois. Hein. Vous savez, s'il y a un ordre de médecins qui ne fonctionne pas comme il se doit, vous pensez que c'est la faute à qui? Vous qui collaborez avec ces régimes, vous allez...